Aujourd'hui, on t'emmène avec nous à San Siro pour voir le match de Champions League entre Milan et Paris. On espère voir un grand match de football. Si tu aimes bien ce petit vlog, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Hola, buongiorno. Buongiorno, amigo. Grazie mille, Camille. Les gars, hey, on a réservé une chambre. C'est la suite. En fait, on a réservé une suite. Comme tout a été fait en pratiquement dernière minute, bien, je te fais découvrir déjà là. T'arrives dans le salon, t'as un lit là, bon là je pense que Lucas force à toi. C'est pas bon, ouais. Ça dépend, est-ce que tu veux dormir, mec? Non, mais en vrai, la chambre elle est incroyable. Viens, Lucas. C'est pas vrai. Non, en vrai, là du coup, si on se met dans cet angle là, deux lits là, un lit là, là déjà il y a trois personnes, tranquillou. Et nous, de base, on est trois. Et là, derrière, c'est... En fait, là, c'est le parti un peu plus privé, un peu plus intime, on va dire. Là, t'as la télé. Et là, t'as une autre chambre, carrément, juste ici. Enfin, je sais pas si on peut dire chambre, mais c'est un autre lit. Et je viens de voir qu'il y a deux télés, là. Et il y a deux télés aussi. Donc, je pense que normalement, de base, c'est pour les parents, un peu, tu vois. Et ça, c'est pour les gosses, je pense. Maintenant, viens, on va te faire. Et c'est pas tout. La salle de bain, elle est incroyable. C'est la première fois, je pense, qu'on a une chambre d'hôtel aussi grande. Aussi grande, aussi spacieuse. Là, vraiment, pour le coup, il y a tout. Et là. Là, la salle de bain. J'ai fraqué le secteur là. Et là, c'est la salle de bain. Bon, là-bas, beau, tranquille. Là, il y a la douche. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Les frérots, regardez-moi ça. On va enfin pouvoir prendre un bain. Après un mois et demi de FC24, on peut enfin prendre un bon bain. Bien chaud, avec beaucoup de savon. Ça va nous faire drôle de prendre une douche. Ouais, bizarre avec les clashs équipes, justement, pas bizarre. On est le jour du match et aujourd'hui, on va te faire découvrir un petit peu Milan avec nous. Et ensuite, après, on va aller à San Siro. Le programme, là, avec Vince, on va rejoindre Paula Cartini qui sont aussi à Milan. Et on va du coup aller au dôme de Milan vers les galeries, je crois. Galerie et dôme, parce que c'est juste à côté. Et hier, les gars, on a fait un petit tournoi FIFA. On n'a pas filmé, on était un peu fatigué. Mais je suis un peu excité aujourd'hui que ça soit le jour du match. Et on est allé à côté d'hier, San Siro. C'est énorme. Voilà, tu vas voir ça plus tard dans la vidéo. Mais c'est impressionnant. Le stade, il est énorme. Il est très, 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 très grand. On vient de se poser près du dôme de Milan. Franchement, on s'est régalé. Et là, on va tabasser un plat de pâte carbonara. On a hâte de voir ce que ça donne. Le plat est cher, la quantité c'est un peu limité, mais bon, j'espère que ça sera bon. En tout cas, les gars, bon appétit. On a le panier de Arsenio, Polak et Nathan. Eux aussi, ils ont pris des pâtes. Et franchement, on a hâte de goûter ça. On est de retour à l'hôtel. On s'est un petit peu reposé avant d'aller à San Siro voir le match ce soir, juste avant. On va te dire notre petit pronostic. Personnellement, pour moi, je vois victoire du PSG 2 buts à 1 et 3 buts. Moi, je vois une victoire 3 buts à 2 du Paris Saint-Germain. Je pense que les attaques prendront le pas sur les défenses. Et ça sera un match très ouvert ce soir à San Siro. Et aussi, on a une petite surprise à te montrer tout de suite dans la chambre. Parce qu'on est venu du coup avec des frérots. Et un des frérots avait ramené du coup sa Poga, ça s'appelle comme ça. Et attends, je t'allume la lumière. Et là, du coup, ça se tabasse. Sur FC24, dans la chambre d'hôtel. Juste là. Regardez ça.
Thank you.
Bon les amis, on est de retour dans la chambre d'hôtel après cette belle petite défaite du PSG face à Milan. Franchement, alors juste une petite chose, on va parler un petit peu, on va faire un peu le débrief tous ensemble. Moi j'ai trouvé que déjà de une l'ambiance à San Siro c'était correct. Il y avait de la hype au début et puis c'était quand même assez choquant les sifflets pour Donnarumma. Après pour le match en lui-même, franchement les gars, je peux pas vous mentir, c'était très compliqué au niveau du PSG. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. Ouais, c'était dur, je pense que Milan a mis beaucoup d'intensité. Pourtant Paris arrive à marquer le premier but. Là t'es là-bas justement, tu dois essayer de garder le score. On se prend une contre-attaque, Marquinhos il défend très mal. Moi ce qui me... J'ai pas encore vu le résumé du match hein, mais quand je vois l'action où justement Léo contourne Marquinhos, après la défense d'air ne suit pas, je pense qu'on redonne le but à Milan trop vite. Et après en fait tu prends pas assez ton temps, forcément tu te précipites. Il y a Dembélé en première mi-temps, il fait une bonne première mi-temps, ah, très bonne il première manque temps. De réussite Dembélé, il manque de réussite, la deuxième mi-temps elle est un peu moins bonne de sa part. Mais c'est juste offensivement, je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis. Un grand Mike Maignan, un grand Donnarumma. Ouais, Donnarumma il a fait son match. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous les gars de votre côté du match de Donnarumma. Parce que je peux vous dire que ouais. Dans le stade, à chaque touche de balle, c'était effrayant. Les sifflets, les billets jetés pour lui. Enfin je veux dire, c'était assez ouf. Et franchement, fallait fort mentalement. Gros mental de Donnarumma parce que franchement ça devait pas être simple. Et franchement, ouais, c'est les contre-attaques du Milan et c'est surtout le milieu de terrain. Les milieux de terrain milanais, ils ont vraiment bossé. Je pense que la différence dans ce match-là, c'est fait au milieu de terrain. Nos trois milieux de terrain, Ugarte, il n'était pas dans. Vitinha, c'était pas son meilleur match. Boirel aussi, il a été un peu bancal sur ce match-là, je trouve. Mais ouais, dans le milieu de terrain milanais, ils ont été super forts. Il y a les frérots, là, vous en pensez quoi, vous, du match? C'est quoi votre première analyse, là, à chaud comme ça? Bon, à chaud. En vrai, j'aurais dit, c'est moi ce qui m'a le plus choqué, c'est Raphaël ce soir. Ouais, il a fait un gros match. Hein. Le match de Raphaël, il est énorme. Et comme tu as dit, mentalement, Donnarumma, c'est fort. C'est très fort. Et pour tenir un match, comment ça sifflait, c'était bruyant. Une touche de balle, le match, le stade, il était rempli de cris, de sifflets, des billets qu'il jetait. Mentalement, ça doit être très très dur. Mais pour le coup, il a été très fort. Mais moi, ce que je retiens, c'est Raphaël ce soir. Vraiment, pour le coup, ce soir, facile. Raphaël, c'était facile pour lui. Pourtant, le match aller. Mais il faisait des choses, mais il n'était pas. Il n'y a pas la réussite qu'il a eue aujourd'hui, tu vois. Ouais, aujourd'hui, il était intouchable. Ouais, il était intouchable, c'était son match ce soir. Ouais, c'était vraiment son match. Et vous, les frères, vous avez pensé quoi? En vrai, comme on l'avait dit, Léa, on l'attendait. Hein. La deuxième match, on l'attendait. Donc. Forcément, il a été présent et bon après je trouve qu'on manque de réussite. Ouais. On attaque, on manque trop de réussite. Ça doit plus rentrer, on doit plus être percutant, etc. On l'a pas été. C'est dommage. On repart avec la défaite. Faudra faire beaucoup mieux au Parc contre Newcastle tout simplement. Ouais. T'es obligé de gagner. Mais ceux-là, leur compte, ils ont gagné et tout. T'es obligé. Non, c'est obligé. Hein. Toi, Mathis, t'en as pensé quoi? Alors moi, je suis venu voir le foot, hein, le football, hein, parce que bah, moi, je supporte aucune des deux équipes. C'était pour faire San Siro, j'avoue que San Siro c'est incroyable. L'ambiance de Donnarumma, etc. C'était électrique de fou. Et en vrai c'était un très beau match au niveau même des deux équipes. Même si Paris, malheureusement, ouais, ils ont loupé leur match. Franchement Milan ils étaient là à domicile, hein. ils ont choqué. Hein. C'était fort défensivement Milan. Ouais c'était fort. Mais en fait là moi j'ai trouvé au Milan ils étaient forts aussi, ils faisaient mal dans les contre-attaques. Mmh. Dès le début du match t'as vu comme quoi il y avait Milan, ils allaient jouer en contre-attaque et ils allaient faire mal. Et défensivement le PSG ça a été quand même assez fébrile. Hein. Tu dis en phase de groupe bon c'est Milan à San Siro, mais tu dis si tu commences à avoir de telles difficultés maintenant. Attends d'affronter un Bayern, attends d'affronter un City, un Real, etc. Si tu arrives à te qualifier, parce que maintenant il faut se qualifier, c'est compliqué, hein. Ça va être compliqué de fou les gars. Donc voilà, dites-nous ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et un grand merci à vous les gars pour votre soutien, pour nous permettre de vivre tout ça les gars. Franchement, merci énormément. Merci les gars. Et je sais pas, tu voulais rajouter un Ouais, non, après les gars aussi, la malédiction elle continue hein, du coup. Ouais, mais je vous mens pas, ça y est. Je sais pas si on va faire Dortmund. Hein, Ouais, je pense que par là c'était chez nous peut-être. Non et d'ailleurs aussi les frères, bah, du coup il y aura la chaîne aussi de Polak et de Artignol les gars dans la description, donc n'hésitez pas aussi à aller la checker. Et aussi un grand big up à Lucas qui tient le portable. Merci Lucas, force et bon courage pour le montage. Bisous les frérots. Ciao. Ciao les gars.